Alors, dans cet épisode, on va passer à la suivante. On va découvrir les véhicules. On va découvrir peut-être des objets que les PNJ vont nous vendre. Parce que si vous regardez en bas à gauche, j'ai beaucoup d'argent. Et je vous dirai d'ailleurs comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est très très simple et très très rapide. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et j'espère que les PNJ vont me vendre des trucs intéressants. Du coup, on arrive au sommet de cette montagne. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un autre enclos juste ici. Et il y a des vaches qui pop. Donc c'est parfait, c'est un spawn à vaches. Là, on a du fer. Et même doublement, parce qu'il y a un truc en haut. Du coup, j'ai mis un extracteur de fer ici. Donc ça envoie sur cette plateforme, ce tapis roulant. Et ça va, tac, 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 jusque là, où il y en a un deuxième. Du fer, pareil. Du coup, le tout se retrouve, tac, 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 là en bas. Alors, on a un four automatique qui cuit les minerais de fer en lingots de fer. On a ensuite un petit, comment ça s'appelle, un grand coffre, un conteneur, voilà. On a un conteneur qui permet de stocker le tout. J'ai mis d'autres petits coffres à côté derrière celui-ci, histoire d'avoir un petit peu de marge en termes de place. Là, c'est pareil, mais pour du sable. Donc, le sable qui est juste là. D'ailleurs, si besoin, c'est du cuivre, ça, je crois. Voilà, le sable, juste ici. Et ici c'est pour le silver. Celui-là, je crois qu'il y était dans le dernier épisode. Je sais plus. Je sais plus du tout. Du coup, ça. Voilà, ça craft automatiquement des vitres. Me demandez pas pourquoi d'ailleurs. Attends. Le sable arrive beaucoup trop vite par rapport au craft de vitres. Et j'en ai déjà un petit peu. Et c'est à ça que servent, tac, les coffres. Du coup, ici on a quelques lingots de fer. Ici, on a quelques lingots d'argent, même beaucoup. Et ça, c'était mes premières réserves de fric. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait autant de fric. Mais avant ça, je vais peut-être vous présenter. Non, la machine à mob. Faudra que je vous montre. Mais en gros, vous savez, vous mettez un mob à gauche, un mob à droite, ça en crée un autre. Bah, en fait, j'ai fait en sorte que les mobs atterrissent dans les autres machines. J'avais fait un gros test et tout ici. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus l'enclos d'ailleurs. Mais c'était de la merde, ça marchait pas. Ça marchait absolument pas. Et du coup là ça marche. Donc avec deux âmes, je peux... Tiens d'ailleurs il y en a encore un là. Avec deux âmes, je peux en créer peut-être 50. Et jusqu'à ce que mon PC rame complètement et que j'ai 20 FPS. Mais... C'est pas grave. Du coup, en fait, ce qui se passe c'est que là il tombe là. Et à cause, plutôt grâce aux barrières... D'ailleurs, c'est bizarre. Attends, mais il a poussé la barrière là. Vas-y, bouge. Non, il veut pas. Voilà. Normalement, grâce à la barrière, les mobs sont bloqués. Et du coup, ils finissent par atterrir dans ces trucs-là. Et donc, ça en crée une cinquantaine. Et juste en dessous, j'avais essayé de mettre des générateurs et tout. Mais ça n'a pas marché. Ils veulent pas aller dedans. Même quand les générateurs sont derrière les tapis roulants. Du coup, j'ai cherché sur internet, il y a une autre astuce, on va la faire dans cette vidéo. Et c'est craqué, je sais pas si ça marche encore parce que c'est un peu. C'est pas un glitch, mais. C'est pas très fair quoi. Et du coup, voilà, tous les mobs se retrouvent ici, au milieu. Comme lui. Et donc, quand vous avez 50 mobs ici, et bah ça fait un peu ramé. C'est pas grave. Donc, ça c'est bon. Ensuite, du côté agriculture, j'ai quelques plantations ici. D'accord? Et j'ai mon blé ici. Comment ça s'est passé ça? Alors, pour une quelconque raison, qu'est-ce qu'elle fout là? Alors normalement elle est là à couper du blé, d'ailleurs il y en a une deuxième. Où est-ce qu'elle est? Des fois il y a des trucs qui se passent dans le jeu. Mais je vous jure, elle doit être dans le coin. Bon bah pas grave, j'imagine. Tant pis. Du coup, là, regardez, j'ai mis des coffres avec des absorbeurs. Ça fait que les absorbeurs absorbent le blé qui est farmé automatiquement par ce truc-là et qui pousse automatiquement grâce aux vannes d'eau là. Et du coup, ça me permet d'avoir du blé gratuitement dans les coffres à l'infini. Tant que je suis dans le jeu, bah ça, ça drop du blé. Et du coup, j'ai mis des coffres un petit peu partout. Parce que ça attire à peu près sur 4 cases. Du coup, j'ai fait en sorte que tout soit quadrillé. Et là, ça part. Du coup, je fais un petit peu de bioéthanol de temps en temps.
J'en ai d'ailleurs, ouais, j'en ai pas mal. Ça se vend presque pas. C'est tellement dur à faire, enfin long plutôt. Et ça se vend pas. Et du coup, on en vient au fric. En fait, si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, j'avais fait des trucs avec des graines. D'accord? Du coup, là, voici toutes les graines. Donc, le max, c'est 14. C'est... Elle est où? Là, une pêche. Du coup, pêche 14 et c'est très très cher, hein, le fruit en lui-même. La graine aussi, mais le fruit en lui-même est très très cher. Et du coup, pour en faire du fric, c'est très simple. J'équipe... Non, pas ça. J'équipe mes pêches. Tac. 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 Et on attend. On attend, je sais pas combien de temps, 30 secondes, une minute. J'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Je sais pas si je peux faire un truc automatique. En mode, j'ai mon blé là, derrière je mets un dropper qui envoie du blé dans quelque chose d'autre, je sais pas, je sais pas trop comment faire. En tout cas là, il faut absolument que je m'en débarrasse. J'en ai trop. Attends, mais je me rends compte, j'en ai beaucoup trop là. Je vais jamais pouvoir cuire tout ça. J'ai même pas pu vider un coffre. Et j'en ai 7, je crois. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça, ça continue. Ah oui, il y a l'astuce, c'est vrai, l'astuce pour avoir des batteries. Du coup, on va ramasser ça. Donc c'est vraiment, c'est classique, rapide, mais très efficace. Très, très efficace pour le coup. Et on va voir combien je peux revendre ça. C'est juste des pêches, mais ça se vend tellement cher. Je pense qu'un jour, ils vont corriger ça, hein. Ça se vend beaucoup trop cher pour des pêches. Même si... J'avais, genre, en fait, avec les graines, ce que tu fais, c'est que tu gaspilles beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que le minerai d'argent, là, m'a servi à faire mes premières bases de compte en banque, quoi. Histoire d'avoir de l'argent pour chercher les graines. Parce que, au bout d'un moment, ça coûte cher. T'as 0,5% de chance, ou un peu avant, 1,5% de chance d'avoir la graine qu'il te faut. Du coup, c'est des fois, bah, un petit peu long et un petit peu coûteux. Mais une fois que t'as ça, voilà. Donc là j'ai la pêche, j'en ai eu, je sais pas, j'ai dû en avoir une centaine, peut-être 180, je sais pas si je les ai eu d'un coup, je pense que oui, je pense que c'est, non, ah je sais pas, du coup je vais les mettre, tac tac, 1 500 000, voilà, gratuit, tiens c'est pas 150 000 hein, regardez bien, tac tac, 1 500 000, du coup en 2 minutes, donc c'est pour ça j'ai 12 millions mais j'ai pas farmé pendant 3 heures ça, c'est normal, il est là. Du coup, ce que j'avais pensé, c'était, dans cet épisode, aller voir tous les marchands des zones que j'ai déjà découvert. Alors, ça, à la limite, c'est vrai que du poisson, c'est pas mal. Hein. Tac. Même ça, regardez, ça coûte tellement peu. J'ai pas besoin de les farm. Hein. Genre, bro, j'ai absolument pas besoin de farm. Poisson comme ça, ça peut coûter autant que tu veux, je m'en fous. Titanium, mais vas-y. Vas-y bro, prends le titanium, prends tout. C'est pour ça que c'est craqué en fait. T'as de l'argent, t'as pas besoin de fermer les autres ressources. Hein. Oui, du coup, j'aimerais aller dans les autres zones. Où je vous montre ça. Non, ça je le montre en fin de l'épisode parce que ça va me saouler. Je vais ramer et ça va être vraiment terrible. Du coup, ce qu'on va faire, téléportation c'est où? Je vais aller dans la première zone. Voilà. Ah oui c'est vrai, je voulais... Ah oui non. Et pour passer de niveau, il faut absolument que j'aille dans la première zone. Tac, tac. Je me suis baladé sur YouTube en fait. J'ai essayé pendant des heures de faire un truc, ça marchait pas. Les mobs allaient pas dans les générateurs en fait. Et du coup, j'ai trouvé un truc qui était ultra simple. Est-ce que vous vous souvenez des PNJ du début? Vous savez, tous ces PNJ qui ripop à l'infini? Eux là. Et bah en fait, si je mets un petit générateur là comme ça là. Alors apparemment il faut que je les vire. Avant de pouvoir faire un truc. Attends juste, je teste sur elle. Si je la tue ça fait quoi? Est-ce qu'il repop instantanément? Remarque dans tous les cas Voilà. Alors je sais pas s'il repop, je sais pas si je dois changer d'île pour qu'il repop. Je crois que je dois changer d'île. Hein. J'ai le mec là-haut, mais je sais pas s'il va vouloir aller aller dans un générateur, malheureusement. Par contre, il y a personne qui me vend de trucs ici. Donc là, ça sert à rien que je reste ici. Du coup, on va se balader
dans les îles une fois que j'ai fait ça. Avec un petit hélico, avec une petite moto, selon le milieu. Par exemple, si c'est un désert, pourquoi pas prendre un petit hoverboard tranquillement. En vrai, pourquoi me balader en hoverboard si j'ai un hélico, franchement? C'est nickel. Plus qu'à attendre. Ah là là, si j'avais un sort de soin, je les healerais tous en zone. Pour que leur calvaire ne s'achève jamais. Ça vient de qui ça? Ça vient de moi? Ah ouais, classe. Très classe. Faudra faire attention à pas marcher dessus en descendant les escaliers. Ah, je pense qu'ils auraient pu atteindre une autre batterie. Une cinquième. En tout cas, bah voilà, gratuit, hein. Et j'ai juste à quitter la zone, revenir. Et faire ça à l'infini. Du coup, maintenant que j'ai quelques batteries, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je les voulais, pourquoi les batteries? Ah oui, passer de niveau, c'est vrai. Je voulais passer de niveau. Je vais le faire peut-être en fin d'épisode, non? Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Est-ce que je vais pas explorer ça vite fait? Attends, déjà le désert, j'ai envie de voir ce qu'on me vend. Mais ce sera plus intéressant les PNJ quand on sera vraiment, vraiment sur des maps haut niveau. Parce que là, en attendant, je pense qu'ils me vendent vraiment rien. Après, s'il y en a qui me vendent du bois, par exemple, moi je prends le bois, ça va. Oh, il est petit, what the fuck? Je m'attendais à un truc un peu plus grand. Rise. Il n'y a pas encore de bruitage. Mais croyez-moi que pour un hélico, vaut mieux pas de bruitage qu'un mauvais bruitage. Parce que ça peut très vite être lourd, relou, tout ce que vous voulez. Putain, il tient pas très longtemps, hein, par contre. Ah merde! Ah ouais, c'est vrai. Ah, il n'y avait pas un village là? Ah, c'était sur l'autre! Non, mais c'est mort. Ok, premier villageois. On va voir. Des cendres. Get off. Aïe. What the fuck? Vas-y. Niveau 8, il va pas me vendre des trucs de fou. Hein. Mais ça, je prends, par exemple. Des potions. Alors, j'ai pas envie de prendre ça, bro. Ça, je prends. Ouais, je sais pas, hein. C'est vraiment de la merde. Je suis vraiment pas sûr. Ah si, je sais cette map. Si. Il y a un mec qui vend des trucs. Ok. On va y aller en overboard. Tac. Trick. J'ai un boost ici. Oh. Boost qui prend de la stamina apparemment. Oh putain, ça va vite, hein. Voilà. J'espère qu'il va pas... Descendre, il va descendre. Des steaks? Oh! Je sais pas ça coûte combien, mais c'est gratuit les steaks. Un couteau. Je n'ai jamais vu ça, alors je vais le prendre. Voilà, ça je prends aussi. Oui. Mais encore. Ah, attends. Déjà le couteau. What? C'est ça qu'il appelle un couteau? Je croyais que c'était un vrai couteau, moi. Très bien. Ah, il est là. Bon, du coup, on a acheté 2-3 trucs, mais rien de bien fou. Par contre, si en vrai, il y a un truc qui est craqué, c'est le steak, hein. Je suis désolé, mais regardez. Tac. Regardez la vie que ça régène. Et j'en ai 100 comme ça. C'est tellement craqué. Allez, on va retrouver la porte, je sais pas où elle est. Yeah. Du coup, overboard qui est très très bien. On va tester la moto. L'hélico, il est pas si fou. Après, c'est sûr, ça permet d'aller en hauteur, mais il va pas vite, il se pète très rapidement. Ah, et j'ai un boost de stamina, regardez, j'ai une barre bleue là. C'est un poisson qui me donne ça. Oscar, je prends. Ça, on s'en fout. Ça, je prends. Je prends. Ah, je peux enchaîner. Ouais, je peux quand même enchaîner. En vrai. Attends, vraiment? Ça fait ça à l'infini là? Non. T'es pas en train de me dire que je peux avoir full. Je vais voir.
voir ce qui se passe. J'ai quand même deux barres de stamina en plus, hein. Ok, ça s'arrête là. Regardez, j'ai trois barres. C'est craqué. Juste craqué. Par contre, jamais j'utilise ma moto dans les canyons, là. Canyon slash volcan. Attends, mais il y a des gens qui se suicident ici, ou comment ça se passe? Ah ouais, des beaux rochers en plus en bas. Niveau 13. Qu'est-ce que tu me vends? Ça, je ne veux pas. Ça, je prends. Fire Spirit. Ça change quoi, Fire Spirit? Ah, Magical Attack. Ah, mais j'utilise pas de magie là actuellement. C'est vrai que je me suis même pas focus sur les enchantements. Mais je crois qu'il y a des trucs qui... Oh, j'ai vu un truc là. Alors j'achète parce que je connais absolument pas. Bon, les vas-y, j'achète ça aussi. Et... What? Attends, mais j'avais même pas vu ça. J'avais vu? C'est quoi ces ruines de l'infini? Ok, il est temps. Go! Quoi? Faut arrêter, monsieur. Enfin, monsieur, madame. Comme vous voulez. Allez. Alors, est-ce que... Oh merde, dans le sable, c'est vraiment pas... C'est vraiment de la merde dans le sable. Oh, putain, bro. Ok. Putain, j'avais pas vu. Attends, je vais éviter de la garer dans un buisson. Parce que c'est un peu chiant, mais... Attends, je vais la mettre là. Je sais pas si je l'avais vu, ça, en fait. Je m'en souviens pas du tout. Ah, il y a un loup. Il y a un loup, mais je peux pas le capturer. Ah, il faut des mecs qui vendent des Pokéballs, justement. Ah, là-bas, il y a un mec. Oh, donne-moi des Pokéballs, s'il te plaît. Que je prenne un loup. Non, il n'en a pas. C'est bon, qu'est-ce qu'il veut le renard? Bon, bah, pas grand-chose, hein. Bon, on est bon pour ça. Celle-ci, je l'explorerai vraiment quand j'aurai des FPS. Je retourne à l'île de départ. J'ai des batteries à récupérer. Après, on passe en âge. Je vous montre la... Je crois qu'il y a une montgolfière. Il n'y a pas énormément de trucs, hein. Mais il y a au moins une montgolfière. Bon, bah parfait, ça marche bien, ça. Montgolfière, et du coup, après... Ah oui, je vous montre avec les Pokéballs. Je vais créer plein de mobs, vous allez voir. Ah, par contre, ça marche avec les gobelins, mon truc. Je sais pas si ça marche avec les autres. Combien? 200, bro. Une batterie 200, une pêche 8000. Pensez pas qu'il y a un truc un petit peu abusé? Pensez pas que je devrais pas avoir autant de millions? Que j'ai fait toutes les maps et que j'ai même pas utilisé 10% de ma fortune? Ouais, mais aussi... Non, mais aussi, c'est bon. Arrête. Oh. Putain, bro. Je peux pas l'éteindre avec de l'eau. Il va foutre le feu partout. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, H suivant. Ok, H suivant. Donc, on a des trucs en platinium, tant mieux. J'en ai farmé, mais je peux pas les utiliser. On a Rocket. Rocket, il faut que je farme plein de trucs pour l'avoir. Buggy. Hot Air Balloon. Sort of the Dark Knight. Oh, pourrait être sympa ça. Et de la bouffe qui se voit vraiment pas beaucoup. En vrai, la bouffe, j'ai déjà ce qu'il me faut, je crois. Go. Que 20 000. Il me faut quoi maintenant? Quoi? Alors, les millions, là, ça devrait aller. Ah, c'est pas encore implanté, là? Attends, c'est comme si je pouvais... Il me dit que c'est pas encore dispo, mais c'est comme si je pouvais. À ce prix-là, je pourrais en acheter... Attends, 10, 20 000, 100, 200 000, 1000, 2 millions. Il faudrait juste 20 millions pour acheter tout ça en diamant. Hein. Enfin, après, c'est le prix de vente. Ouais, bah écoute, ça va se faire. Hein. Ça va se faire très très vite. Par contre, faut que je trouve des diamants. Faut que j'avance. Tiens, d'ailleurs, il y a quoi après? Oh, adamantium. C'est ça? Adamantite. Très bien. Pancake, obsidienne. Il reste des trucs, hein. Il reste des trucs. Alors, en termes de bouffe, je suis pas vraiment un expert. Mais je pense que j'ai ce qu'il me faut. Genre, c'est-à-dire, je pourrais faire ces trucs-là, mais. Je me prends la tête pour rien. Je peux juste acheter la bouffe que je veux.
Ah ok, ça a l'air d'être beaucoup plus maniable que la moto. Ah oh, oui, mais extrêmement même, c'est parfait. C'est vraiment bien, j'espère qu'il dure longtemps par contre. C'est un buggy normalement. Il semble pas trop périr quand je le conduis. Non, ça va large. Enfin, je vais faire un petit test là vite fait. Pff, ça va. Est-ce que je peux le récupérer? Ah merde, je crois que je peux pas. Ok. Oui, alors attends. Bon. On s'en souviendra, je l'ai garé par là. D'accord. Et autre truc que je voulais check. Montgolfière. Oula, oh putain c'est grand. Ride. Speed change. Oh nice. Allez d'accord, je peux décider d'être... Ok, j'ai une vitesse. Non, j'ai... Ça c'est descente. Non, ça c'est arrêt. Monter. Monter à fond. Descente. Ok, c'est ça. Du coup, on va monter. Alors, je sais pas... Ah oui, c'est vrai que je peux bouger en fait. What the fuck, mais il prend tellement cher. Regardez. Il va mourir en 2 secondes ce truc. Du coup, voici mon île. Bon, en vrai, on l'avait déjà vu en début d'épisode. J'étais tout là-haut. Mais bon. C'est pas très très grave. Ouais, du coup, bah, en vrai, je veux descendre, quoi. Et, je vais m'en aller. Je l'ai testé avec les gobelins, ça marchait. Les gros gobelins. Donc là, on va voir. Par contre, ça rame déjà, donc, Ok. Ah, ils ont une hitbox qui est à peu près semblable, je pense. Tiens, je vais sauvegarder. On sait jamais. Ah oui, d'ailleurs, là, j'ai fait des vaches, normalement, elles tombent là-dedans. Et elles me font du lait. Mais j'avoue que j'y prête même pas attention. Ok, voilà. Regardez. Il y en a un qui est là. L'autre, normalement, s'ouvre, il se bloque. Il va pas direct à l'autre emplacement. Mais avec le temps, en 1 minute ou 2, vous allez voir qu'ils vont commencer à tomber en bas. Et ça va être un gros bordel. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai pas... Ouais, voilà. Petit marteau. On prépare. On prépare le tout. Attends, ils en ont créé un, là? Il est où? Il est en bas? Ah oui, alors ça, c'est le problème, en fait. Les gros gobelins, ils vont pas aussi vite. Et ils sautent pas comme ça, là. Du coup, ça marche vraiment qu'avec ces gros-là. Putain, fait chier. Là, c'est mort, hein, il va passer par-dessus à chaque fois. Ah non? Ah si. S'il décide de courir... Mais mec, il va trop vite, trop loin. Ça marche pas, du coup, avec ça. Bon, bah, c'est un fail. Tant mieux, parce que j'aurais vraiment full ramé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'entassent là, les gros. Ensuite, ils s'entassent là, ils s'entassent là. Et au fur et à mesure, bah, ils tombent tous en bas, ici. Et c'est vu que ça rame déjà... c'est tendu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, hier, j'avais une grosse base de gobelins ici, je vous jure. Regardez, il passe par-dessus tout, bro. Sinon, là, ça se reproduit déjà et ça enchaîne, tu vois. Je crois qu'on est bon, hein, du coup. Bah écoutez, fin de l'épisode, prochain épisode, on enchaîne direct la suite de l'exploration. Ah oui, il faut que je fasse un extracteur de pierre. Je vais faire un extracteur de pierre dans le prochain épisode. Enfin, avant le prochain épisode. Du coup, voilà, merci d'avoir regardé et rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao.